Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Imperator Rome. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, Imperator Rome est le nouveau jeu de grande stratégie sorti par Paradox Development Studio et Paradox Interactive. Donc le jeu est disponible aujourd'hui il me semble. Ou si c'est pas aujourd'hui, c'est dans les jours à venir. Donc, Imperator Rome, jeu de grande stratégie qui se passe à l'époque de l'Antiquité, en 450 après la fondation de Rome. Alors je sais plus, vous regarderez dans les commentaires des gens qui viendront préciser exactement à quoi ça correspond. On est à une période où il y a encore les généraux d'Alexandre le Grand qui ont des grands empires dans toute la zone du Moyen-Orient. Notamment par exemple en Égypte, Phrygia, les Séléucides, tout ça. Et on est vraiment à l'inception de Rome elle-même. Alors, un petit point pour commencer, j'ai mis le jeu en anglais pour l'instant, parce que en fait la traduction française, il manque un petit peu des morceaux de traduction. Donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait un patch d'ici là. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu ce patch, donc du coup, je mets le jeu en anglais, mais dès que la traduction française sera un petit peu mieux, je le repasserai en français. C'est juste qu'il y avait certains tooltips où il manquait des morceaux de traduction, ce genre de choses. Donc nous voici sur la map. Alors comme vous pouvez voir, on est sur une map qui est semi-circulaire en fait, qui est plus réaliste. C'est une projection qui est plus fidèle à la réalité. On a un gros paquet du coup de choses qu'on peut jouer. On peut jouer notamment des tribus ou des tribus qui sont migratoires. Donc toutes ces tribus là-haut par exemple, elles ont la capacité de se déplacer. Toutes ces zones-là sont non colonisées. Et donc il y a moyen de les coloniser. Donc on a Rome, on a Macédoine, comme j'ai Phrygia, l'Arménie, c'est l'Empire Séleucide, Montréal, l'Égypte, Carthage, bien entendu. Et donc on en est vraiment au tout début de Rome, où Rome n'est qu'une petite puissance régionale en Italie. Et dans ce let's play, on va jouer l'Italie, la Rome, justement. Donc, ce que je prévois de faire, c'est pour aujourd'hui et demain, je vais essayer de vous mettre un maximum d'épisodes. Ça va dépendre de combien je vais arriver à en enregistrer. Et je vais essayer de rester, par contre, sur les épisodes de 20 minutes pour pouvoir en faire, du coup, plus, par contre. Donc, des épisodes un petit peu plus courts. Mais là, sur aujourd'hui et demain, je vais essayer de vous en faire à peu près 4 par jour. Et ce week-end, 2 par jour. Et à partir de la semaine prochaine, probablement seulement 1 par jour. Ou 2 par jour, je verrai, en fonction de la bande passante que j'ai. Donc, nous avons notre seigneur. Alors, dans Imperator Rome, ce qui est important à comprendre, c'est qu'on joue la nation, on joue pas un personnage, pas comme dans Crusader King. Pourtant, il y a quand même une notion de personnage qui est très importante dans le jeu. Vous verrez une fois que j'aurai lancé la partie. Ici, on a nos cités, donc en fait, la carte est découpée en provinces et à l'intérieur, vous avez chaque zone. Ici, c'est une cité, donc ici, on commence avec 23 cités, 394 pop, dont chaque pop, bien entendu, a une culture et une religion. Cette culture, cette religion, si elle est trop différente, si vous avez trop de monde qui sont différents, ça va créer des tensions au sein de votre royaume, de votre empire, de votre république. Nous avons les citoyens qui sont les principaux générateurs, je crois qu'ils sont importants pour le commerce, mais surtout pour la recherche. On a les freemen, c'est les hommes libres qui sont importants pour tout ce qui est effectif pour l'armée. On a les tribesmen, on en a quelques-uns d'ailleurs. Tiens, on commence avec un petit peu de tribesmen. Alors eux, ils font aussi partie de la production de troupes. En fait, c'est que surtout, si vous regardez ici, voilà, genre tous ces trucs de tribus, ils ont très peu de citoyens et surtout des tribesmen. Ce qui fait d'ailleurs que ils produisent beaucoup moins de recherches que les pays comme Rome, qui est à 143, quoi. Et après, il y a les esclaves qui produisent des richesses. Après, on a quatre types de pouvoirs principaux. Militaire, charisme, donc c'est oratoire, finesse, alors je sais plus comment ça s'appelle en français, et le zèle religieux. Ces quatre pouvoirs, ça va générer du coup des points de pouvoir et on les dépensera. Bon, ceux qui ont joué à Europa connaissent déjà ce système. Et on commence la partie avec quatre sujets. Donc c'est quatre trucs qui nous entourent là, en fait, voilà, les quatre qui sont là, donc on pourra les intégrer diplomatiquement. On va rester en difficulté normale pour cette première partie, je vais pas me mettre en mode Iron Man, et on va rester historique sur les règles vis-à-vis du genre, parce que voilà, et du coup ensuite, ensuite il y a juste les traditions. Bon, on va lancer la partie directement. Donc, pour la République, très bien. Alors, ici, on a les mercenaires, c'est pas super intéressant pour l'instant. En fait, ce que vous voyez, ça, par exemple, ce sont des mercenaires. Ici, on a tous les personnages qu'il y a dans notre, qu'il y a chez nous. Donc, on peut voir ceux qui sont emprisonnés. On peut regarder, on peut filtrer par genre, on peut filtrer par emploi et non employé.
s'ils font partie de la famille du dirigeant ou pas. On retrouve ici les familles. Donc les familles, alors putain, Rome commence avec énormément de familles différentes. Ce qui est très important en fait dans le jeu, c'est, je trouve, un des trucs qui fait que ce jeu a pas mal de potentiel, je trouve, en termes de gestion de l'Empire, c'est que en fait vous allez avoir votre dirigeant. Alors comme je disais, il va être élu lui tous les X temps, je crois que c'est 5 ans, un truc comme ça. Et ce qui va compter, c'est que vous allez avoir la popularité de votre dirigeant. Hop, si on clique dessus, on la retrouve ici, sa popularité. Ici, on retrouve sa loyauté. Et la loyauté va être extrêmement importante pour déterminer s'il va y avoir des rébellions, des guerres civiles et ce genre de choses. Donc en fait, si vous avez des personnes qui sont très puissantes dans votre empire et qui ne vous sont pas loyales, ils risquent de fomenter un coup d'état, quoi, tout simplement. Après, on a pas mal de décisions qui, comme vous pouvez le voir ici avec cette icône, c'est le Sénat qui va dire s'ils sont d'accord ou pas. Et le Sénat, si on refuse de suivre leurs recommandations, on va générer de la tyrannie. Après, on a l'expansion agressive, ça c'est quand on conquiert des nations voisines, qu'on acquiert de l'expansion agressive, ce qui donne une pénalité d'opinion pour tous nos voisins, ce qui va les pousser à former des coalitions contre nous par exemple. Mais aussi, ça va baisser le bonheur des populations de vos provinces, mais populations qui ne sont pas de votre culture et pas de votre religion. Donc pour chez nous, on a une assez bonne uniformité culturelle. Si on regarde au niveau de la religion, on retrouve ici une unité religieuse. Il y a 7 peuples qui sont des peuples juifs, en l'occurrence, qui ne sont pas helléniques en Rome. On retrouve ici la stabilité qui fonctionne un petit peu comme dans Europa Universalis où ça va de moins 3 à plus 3. On a quelques bonus et tout. Bon allez, du coup un truc qui est hyper important sur la loyauté, c'est qui va être à la tête de vos armées. Parce que si vous foutez à la tête de vos armées quelqu'un qui est très peu loyal, alors ça risque de pas trop poser de problème au début, mais en fait au fur et à mesure que l'armée fait des batailles et remporte des victoires, les unités vont devenir loyales à leur commandant. Et si elles deviennent loyales à leur commandant, alors il va pouvoir tenter un coup d'état, quoi. Donc ça va être assez important de faire attention à ça. Donc bien entendu, quand on choisit un commandement militaire, on va vouloir quelqu'un qui a un fort niveau de martial, mais on va vouloir quelqu'un aussi qui est très loyal. Alors on a notre propre seigneur qui lui a 7 en habilité de martial et qui a 100 de loyauté. Donc on pourrait le mettre en tant que général de notre armée principale. Mais après, un truc qu'il y a aussi, c'est comme vous pouvez le voir, il y a le système de familles qui sont délaissées. Les familles qui sont délaissées, elles ont leur loyauté qui baisse, vous voyez, 0,11 chaque mois, dû au fait qu'ils n'occupent pas de poste. Donc vous avez les 8 postes qui sont ici déjà, que vous pouvez du coup donner. Donc en fait, à chaque fois qu'on va choisir du coup une personne, il va falloir regarder à la fois son niveau ici, il va falloir regarder aussi sa corruption. Alors je sais plus exactement quel est l'impact de la corruption. Bon, ça n'a pas d'effet, on verra quand on en aura du coup. Et qu'est-ce que je disais? Oui, donc il faut regarder, oh, non, c'est pas ce que je voulais faire, c'est ça. Faut regarder aussi sa popularité, la prominence, donc ça c'est si c'est quelqu'un d'important, et surtout la loyauté en fait. Donc il vaut mieux avoir des gens qui sont loyaux à la tête des différents trucs, et surtout à la tête des armées, quoi. Après, le problème qu'il y a, c'est que, notamment dans une république, on a le dirigeant qui change régulièrement, et la loyauté est vis-à-vis du dirigeant actuel. Donc si vous avez un nouveau dirigeant qui arrive et dont personne n'est loyal envers lui, et bien vous allez être dans la merde. Donc ça, c'est le candidat justement à la prochaine élection, qui pourrait devenir le prochain consul de Rome. Il a 48 personnes qui le soutiennent. On pourrait essayer de baisser sa popularité en faisant un smear réputation. Ça nous coûte 18 points oratoires et il perdrait 25 de popularité. Alors par contre, ça risque de déclencher un événement derrière où ça pourrait nous revenir dans la gueule. Après, il y a aussi un système de prestige des familles qui peut aussi déterminer la puissance de la famille dans le truc. Donc on voit qu'on a un dirigeant d'ailleurs qui n'a pas de famille, il n'a pas d'épouse, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de parents. Enfin si, il devrait en avoir, mais c'est juste qu'ils ne sont pas représentés dans le jeu. Ne commande rien. Alors il y a aussi un système de holding où en fait c'est des domaines. Donc vous allez avoir des personnages qui vont avoir des domaines. On peut dépenser des sous pour gagner de la popularité. Notre popularité descend naturellement de 1% par mois. Mais après il y a pas mal de choses qui fait que ça peut remonter. Donc on a un problème de commandant sur notre IREM et sur ici. Alors comme je dis, on pourrait soit foutre lui ou lui par exemple qui ont 70 de loyauté, ou alors mettre nous, mais avec seulement 8. Je pense qu'on va
mettre ce monsieur. Donc le petit chiffre que vous voyez ici, c'est le niveau de, d'habilité martiale du général. C'est important, bah, c'est ce qui va, ça va vachement aider dans les combats, quoi, hein, tout simplement. Donc il a 15 trucs ici. Quelque chose qui est super sympa, je trouve, dans ce nouveau jeu, alors c'est qu'on a, on a pas mal d'options du coup sur les armées, donc on peut créer de nouvelles unités. Alors sachant que quand une unité devient loyale, on ne peut pas la, la séparer de l'armée du mec en fait. Voilà, après on peut détacher une des unités de siège, mais ça on le fera quand on sera en guerre. Si, diviser en deux, détruire complètement l'unité, et ça, ce qui est un coup d'ailleurs, et recruter des nouvelles unités qui vont rejoindre directement cette armée. Donc ça c'est bien pour compléter. Donc ça c'est le nombre de trucs qu'ils mettent sur les flancs. On a ici alors la cohorte primaire qui vont engager le combat en premier. Donc on a les archers. Ensuite les secondaires, c'est dans seconde ligne. Après que les premières aient fui ou aient été détruites. Donc en fait du coup c'est... c'est les archers qui attaquent en premier, puis ensuite les secondaires. Et après, on a les flanking cohortes, qui sont celles qui vont essayer d'attaquer sur les flancs. Et ça va essayer de passer 5 sur les flancs. Donc on a 5 cavaleries légères sur les flancs, donc c'est parfait. Il faudrait qu'on monte à 10, du coup, si on voulait monter à 10 ici. Après, un truc qui est pas mal, c'est qu'on a, si vous voulez, des espèces de focus pour l'armée. C'est-à-dire que c'est les différentes tactiques qui vont déterminer, en fait. Vous voyez, là, genre là, on est en shock action. C'est surtout l'infanterie lourde qui va en bénéficier. Ça a des bonus face à d'autres types de trucs. Et ça a des malus par rapport à d'autres, quoi. Donc genre là, par exemple, en déception, ça nous donnerait un énorme bonus sur nos unités de flanc. Ça, le skirmishing, ça donnerait un gros bonus à ces mecs-là. Après, le truc, c'est que... Genre, si on avait des unités d'infanterie légère, parce que là, on a de l'infanterie lourde. Si on avait de l'infanterie légère, les bonus seraient différents, hein, tout simplement. Voilà, voilà. Donc, on manque d'un commandant aussi sur notre flotte. Alors, pour la flotte, je pense que c'est un peu moins important. Donc, on va peut-être mettre quelqu'un d'un peu moins proéminent. On va mettre lui. Alors, après, les mecs, ils ont des traits aussi particuliers. Ouais, morale des armées inférieure. Mais je pense qu'en début de partie, on n'a pas trop de problèmes vis-à-vis des trirèmes avec Rome. On a quoi? On a 206 de trésorerie. Combien est-ce qu'on a de thunes actuellement? On est à plus 0,72. La question c'est, est-ce qu'on pourrait pas monter une deuxième armée? Parce qu'il va falloir qu'on envisage d'envahir nos voisins assez rapidement. Après on a le système de technologie. Un système de technologie, ici on retrouve les points de recherche. Donc on a 33 points qui sont générés par nos citoyens. Alors je sais pas si on le voit ici. Ouais voilà, plus 2 grâce à ça. Donc il y a 8 pop. Alors on va essayer de regarder Rome direct. Donc en Rome il y a 25 pop. C'est 11,4% d'output qui nous donne plus 7 points de recherche. Et plus, voilà, ça augmente la valeur commerciale aussi. Et cette valeur commerciale, bien entendu, elle va se retrouver ici. Donc l'Atium produit 1,92. L'Atium étant cette province-là. Sachant qu'on a aussi cette province-là. Et... Alors attendez, on va peut-être se mettre en mode politique. Histoire d'avoir une meilleure visibilité. Je crois qu'on a... Ouais, ce morceau-là, c'est nous qui le contrôlons. Mais pas cela, par contre. Ça, c'est nos voisins. Après on a la vue diplomatique où on voit effectivement du coup les mecs qu'on contrôle actuellement. On pourrait s'attaquer à ces gens là au nord si on voulait, par exemple lui. Alors sur les relations, on pourrait leur envoyer une insulte, tout ce genre de choses. On pourrait fabriquer une revendication. Alors le truc c'est que d'après le manuel du jeu, en tant que Rome, on va avoir des revendications assez rapides. Après, alors j'ai pas 268 pour essayer d'augmenter la stabilité, sachant qu'elle est déjà un pas trop mal. La question c'est qu'est-ce qu'on va prendre étant donné que, ça, comme vous pouvez le voir, ça donne plein de bonus différents quoi. Et ça coûte 160 aussi pour l'acheter et bénéficier de ce bonus pendant une certaine durée. Donc ici la puissance plus 112% en fait ça nous montre, alors l'augure par exemple c'est le mec qui est là, donc c'est lui vu qu'il a 7 il nous donne plus 14%. Et plus 98% grâce à notre unité religieuse. Donc ça augmente la puissance de ces bonus là en fait. Et après on a la durée. Et la durée de base, je sais plus de combien elle est. On va la voir quand on va cliquer dessus. Après bon, si on devait genre attaquer lui, alors faudra voir s'il a des alliances ou des trucs, faire des pactes avec les voisins, ce genre de choses. Donc pour l'instant on va laisser ça de côté. Diminuer l'expansion agressive, ce serait pas mal, mais si je le prends tout de suite, c'est parce que c'est seulement si j'envisage d'attaquer immédiatement. Je pense pas que je vais attaquer immédiatement.
Du coup, on pourrait prendre des bonus de recherche pour essayer d'améliorer notre technologie. Alors, je vais vous expliquer vite fait ici, c'est que les points de recherche, en fait, viennent là-dedans. Donc, on a un progrès actuellement de 1.24, donc 1,24%, qui vient du fait qu'il y a une base de 0,62 et plus 100% grâce à Lucius Papyrus Cursor. Donc voilà, on a 36 points de recherche avec une efficacité à 112%. En fait, tous ces trucs-là, après, on peut les augmenter avec d'autres points de recherche et ce genre de choses. Voilà, ce qui nous fait 0,666% et on les retrouve ici, c'est 0,62, plus 100% grâce à ce monsieur. Donc lui, il donne que 90% par exemple, lui 100% aussi, et lui 70% seulement. Donc, et après, en fait, à chacun de ces niveaux, comme vous pouvez le voir, ça va donner un petit peu plus de morale aux armées, à la marine, ça va augmenter le coût aussi, mais ça va réduire aussi les coûts des traditions militaires. Alors, les traditions militaires étant ici, on les regardera plus tard. Ici, on a les statistiques de toutes nos troupes. On regardera aussi plus tard. Donc, après, on pourrait augmenter nos taxes aussi pour avoir un petit peu plus de thunes, ce qui nous permettrait de recruter plus de troupes. Je pense qu'on va faire ça. Voilà, donc on a cette Omen qui va durer jusqu'au 1er octobre 455. Donc ça dure 5 ans en début de partie. Donc en fait, on dépense du coup 160 points pendant 5 ans. C'est pour ça que du coup, augmenter la durée, ça permet d'augmenter l'efficacité de dépense de la puissance religieuse. Après, ouais, un truc qu'on a aussi, c'est ces systèmes d'idées là. Donc en tant que république, on a deux idées militaires en tant qu'idées primaires et une idée oratoire. Donc les idées oratoires, d'accord. Donc, vu qu'on a les idées militaires, alors oui, non, juste un truc, c'est que on a 1 points qui sont générés, parce que genre de base on est à 6, base plus 2, avec le consul plus 4, parce que c'est la moitié de ses traits à lui, alors je crois que c'est arrondi à l'inférieur apparemment. Comme vous pouvez le voir, on a aussi ces trucs là qui donnent des points en plus, quoi. Où est-ce que j'en étais, moi? J'étais en train de regarder. Je sais plus du tout ce que j'étais en train de regarder avant. Ouais, parce qu'on était, en train de regarder. Ouais, les points générés, pardon. Donc on était là. Donc, on peut augmenter le moral des armées, ce qui serait une excellente idée. On peut augmenter le coût des diminuer le coût des triumphes, pardon. Et améliorer la vitesse de renforcement et la vitesse à laquelle on récupère du moral. Alors, honnêtement, les batailles navales, je pense que ça va être notre priorité en début de partie vu qu'on va avoir on va être focus plus sur le fait de contrôler l'Italie. Donc on va prendre Martial Ethos qui va augmenter le moral des armées. Ça nous coûte du pouvoir oratoire à chaque fois. On va prendre celui-là. Et après justement en pouvoir oratoire, on peut réduire la corruption, on peut augmenter la loyauté des généraux et des amiraux, ce qui serait une assez bonne idée, ou alors augmenter le maximum d'opinion qu'on peut avoir auprès de nos voisins. Je pense qu'on va aller sur l'administration militaire pour commencer. Ce qui va nous permettre de voir que lui, par exemple, c'est un général et il gagne 0,34 parce qu'il commande des cohortes. Il a même faction que le ruler. Alors là, c'est voilà, c'est faction civile, donc truc du gouvernement. Nous, on est le dirigeant de la faction des civils et ils sont là. Et du coup, c'est nous qui avons le siège. Et après, il faudra que je regarde un petit peu plus en détail ces trucs-là, mais on voit voilà, les bonus que ça... Voilà. Lorsque le dirigeant fait partie de la faction, on a des bonus qui sont associés à ça. Après, on pourrait les soutenir, ce qui augmenterait notre tyrannie. Donc comme je dis, la tyrannie, c'est en fait quand on vient faire des actions qui sont jugées non légitimes, quoi, on va dire. Ça donne plus 10 sièges. C'est pour augmenter le pouvoir dans le truc. Parce qu'on voit qu'ici... voilà, lui il a 20 sur 20 de soutien de la faction militaire. Et après 7 des autres. Et alors je sais pas trop si... Ouais non, pourtant ils ont exactement le même nombre de sièges tout ça. Alors ça doit être parce qu'on commence la partie ça. Bon après revenons sur la recherche. On a aussi du coup les inventions. Donc à chaque fois qu'on passe un niveau ici, level 1, level 2, level 3, on va avoir 3 éléments qui vont être générés. Alors je crois pas que ce soit aléatoire. Je sais pas trop. Mais après voilà, ça permet de débloquer plein de petits bonus. Donc l'expérience de départ, c'est quand on recrute des nouvelles unités. Investissement dans les technologies militaires, c'est pour augmenter en fait les bonus qui sont là, la vitesse de recherche. Qu'est-ce qu'on a du coup? Taxes, améliorer les taxes, ça peut être une bonne idée. Réduction du coût de fabrication des revendications. Augmentation de la réputation diplomatique. Alors réputation diplomatique, ça a un rapport avec...
il me semble, des choses par ici. Alors je vois. Ah d'accord, il n'y a rien qui la modifie pour l'instant. Ok, bon, on verra plus tard. Où est-ce que c'est la technologie? Et après on a, voilà, technologie speed plus 5%, ça je pense que c'est une bonne idée. On pourra probablement rien perdre là-dessus. Et après, je songeais peut-être à prendre, voilà, un petit peu plus de récupération de taxes. Voilà, on est à plus de 47, ce qui est loin d'être dégueulasse. Et ce qui nous permettrait du coup de construire quelques unités. Alors sachant que, alors il y a aussi le commerce que j'ai pas encore trop listé. D'ailleurs on a, voilà, on a des gouverneurs. Alors, est-ce qu'on a un breakdown des vues? Ouais, voilà, par province, on a tous les... Voilà, on voit les gouverneurs ici. Donc si on dézoome un petit peu... Ouais, on a une... Ouais, on tient 7 villes dans cette province-là. Donc c'est pour ça que on a ce monsieur-là. On tient des morceaux en bas. On tient... Alors, c'est laquelle qu'on tient là? Ah oui, ok, c'est celles qui sont là. Apulia... C'est ça. Et Latium, c'est notre province principale, celle qui doit générer le plus normalement. Et du coup, on a des routes commerciales. Alors attendez, je vais enlever la pause juste vite fait. Alors il ne me dit pas. Ah non, mais c'est parce qu'on est déjà en train de le faire. Ok, donc on récupère du grain de Siculia. Donc après, en fait, quand vous regardez, là par exemple, ces vêtements, ça nous donne plus 10% de taxes locales. Ici, le vin nous donne plus 5% de bonheur pour les freemen. Et vu qu'on en a du, on a du vin additionnel, ça augmente encore plus 1% leur bonheur. Et vu que c'est la capitale et qu'on a du coup un bonus, c'est appliqué dans tout le pays qu'on ait une réduction en coût de maintenance de l'armée. Donc ça peut valoir le coup de rameuter des bonus de des excédents dans la capitale, parce que ça permet d'avoir des bonus qui sont dans tout l'empire, ce qui est assez. C'est assez sympa, franchement. Et donc, par exemple, ici, on pourrait avoir une trade round, mais comme vous pouvez le voir, on a personne qui accepterait, parce que, bah, déjà, j'ai pas assez de puissance civique pour établir la route commerciale. Bon, bah, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un break ici pour ce premier épisode, et je vous dis dans 2 heures, de toute façon, pour la suite, où on va continuer, et on va enlever la pause, et on va commencer à vraiment jouer, parce que là, sur le premier épisode, je voulais un petit peu vous faire le tour des fonctionnalités de base pour ceux qui connaissent pas du tout. Donc ceux qui, j'imagine que ceux qui connaissaient déjà un peu le jeu, parce qu'ils ont, ils l'ont suivi de près, ils ont déjà dû sauter au deuxième épisode. Donc merci à tous d'avoir suivi, vu que c'est le premier épisode d'une nouvelle série, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, tout ça comme d'habitude. Et sinon, bah, je vous souhaite une excellente, d'excellentes 2 prochaines heures. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous !